Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix PAM, c'est la Lan Fritz depuis Port-au-Prince. Capitale Port-au-Prince, pays d'Haïti, qui va l'informer de toute actualité qui a dominé le territoire national pays d'Haïti. Salut PDG Abner, c'est un plaisir pour journée mardi 4 janvier 2022 pour nous présent, sous permission de Dieu Tout-Puissant, pour présenter pour téléspectateurs HPM information dans bon gentil mamite sur ce qui a passé sur le territoire national pays d'Haïti. Pour journée mardi 4 janvier 2022, qui information qui domine actualité a dans le monde local et qui bon Haïti t'a fait actualité dans le monde international là. Palacios qui vivait une libération depuis pays Jamaïque. Lundi qui était 3 janvier 2022 et en même temps il était doué aller vers République Colombie pour nous balayer dans le territoire dans pays Colombie. Depuis Jamaïque, il était prend vol vers Panama pour te faire escale et c'est là FBI te mette main dans pas de cas Palacios sous assassinat yon étranger. Est-ce que c'est Jovenel Moïse? Red branché. L'autre point dans actualité a c'est fin mandat sénateur restant dans le Parlement qui au nombre de 10. Dans 6 jours francs qui va lui na en pile monde va regarder est-ce que monsieur Opralé ou bien a prêté dans le Sénat. Tentative d'assassinat contre Ariel Henry, c'est comme ça gouvernement qualifié. Nan nek qui t'a couri qui t'est soulier yo dans ville Gonaïve après t'aider homme là. Déjà yon fièvre qui tête coupée. A coronavirus a frappé l'estomac Haïti. Ministère Santé publique annonce couleur. C'est point ça yo avec l'autre qui va faire essentiel dans information nous va partager pour téléspectateurs HPM depuis Port-au-Prince Haïti. Dossier qui pichot, c'est dossier 10 sénateurs République qui t'assemblé pour le mandat yo achevé ou du moins prolongation de mandat sans négociation. C'est ça qui a fait actualité. Il y a plusieurs déclarations qui fait, analyse qui fait, document qui montré qui allait vers 2023 et PM Ariel Henry pour prononcer pour ta balion d'or d'espoir, est-ce que vous pouvez aller ou bien prêter? Entre mandat achevé et mandat prolongé, qui Jean Ariel Henry pral danser Chango ça? Yon Chango qui pral danser à 6 pieds, puisque PM nan li encore premier ministre, li c'est PM qui responsable PNH et en même temps, li c'est président de la République. Joseph Lambert, qui c'est président Sénat, a joué la lose. Le Jovenel Moïse a constaté caducité Parlement 1 an, avec 20 sénateurs, 118 députés. Deuxième le 10 janvier 2020, il était constaté Parlement presque perdu Chelbel. En pile tentative rébellion est sorti pour te défendre mandat, mais Parlement pas de prendre en quelle résolution et 10 sénateurs pas de prendre en quelle résolution pour te soutenir sénateur sortant yo qui était au nombre de 20. Né après le mort tragique stupide Jovenel Moïse 7 juillet 2021, Parlement pas de joindre support à Comontana. Parlement pas de joindre support à Comontana et dans lutte politique toute opportunité utile et c'est à Comontana. Bon côté par Joseph Lambert, président Sénat, lui-même li misé tout pour aider le bail pression. Yon ancien premier ministre qui te gen handicap pour te organiser élection à temps sous le règne de Martelly, Evans Paul Capé, ancien maire, ex-PM, li prononcé sous question mandat monsieur yo, est-ce que vous prenez ou bien prêter? Selon Evans Paul Capé, 10 sénateurs yo a fini mandat yo en janvier 2023. Ça li favorable
à Joseph Lambert. Et il qualifie inacceptable tout le monde qui n'est pas d'accord que le mandat monsieur a fini 2023. Centre analyse et recherche en droit de l'homme, CAD, Haïti, publié lundi 3 janvier 2022, yon document sur question constitution qui s'al dit pour élu. Il avance que c'est deuxième lundi mois de janvier 2023 que mandat 10 sénateurs sa yo a pran fin. Et c'est là dossier li délicat. Nous rappelons que c'est yon qui allié organisation internationale yo surtout pour consultation yo toujours fait la clé. Bon côté communauté internationale là, yo pas jamais appuyer PM Ariel Henry pour ta prendre décision constater caducité parlement. Il t'a plus considéré pour ta prendre décision plutôt chita ak monsieur pour dialoguer. Est-ce que dialogue là il pral tomber sur question mandat prolongé ou bien il pral un partage pouvoir quelques ministères ou du moins sur ta transformer parlement en conseil d'état pour ne pas dire conseil des fous. Alors c'est comme ça, dossier s'est arrêté pendant et deuxième lundi mois de janvier qui pral vin là, pas même qu'a gagné Assemblée nationale, pas gagné entrant. C'est sortant qu'a gagné et Assemblée nationale, c'est président qui convini comme invité pour prononcer discours, même ça qui passé 1er janvier, c'est lui qui pral répéter. Deuxième lundi mois de janvier 2022 qui pas l'autre côté 10 janvier qui pral vini là. C'est comme ça dossier aye, bagayo yo rete à suivre vu que gen en pile parole en pile chobol k'ap parler sous question mandat monsieur yo qui pral ou du moins qui presque achevé. L'autre point qui chaud dans actualité a c'est arrestation Mario Antonio Palacios pour une deuxième occasion depuis dans pays Panama. FBI qui lui-même te sous dossier ça mettait maintenant pas de cassav Mario Antonio Palacios. Qui ça qui gain exactement Mario Antonio Palacios c'est green colombien en pile monde te suspect qui te joindre arrestation dans pays Panama sous dossier l'en mort président Jovenel Moïse. Panama qui pat ouais qui pat tendé te dit si document arrivé à temps il a extradé Palacios by Haïti sans pas parler de yo pral analyser dossier mais information qui tombé après que juge te fin tendé yo pas trouvé transféré Palacios Haïti. Dans pays Panama, c'est FBI qui mène opération ça. Palacios joint arrestation dans pays Panama côté le tap sorti Jamaïque, il était passé font transit pour le pimbel en Colombie. Gouvernement haïtien bon côté parle te gen demandé tradition mais extradition ça pas de fait parce que document yo te déposé yo pas de gen rapport. Ak sa ou ta dwe reproché Palacios. Dwal de coïncidence, Cour suprême pays Jamaïque te décidé libérer Palacios. Jean Nouel li t'ap pral passé vers Panama pour lui-même pays Colombie. FBI bon côté pal te attendre que Palacios rive Panama et c'est là où te fouqué Palacios et yo reproché monsieur d'est-ce que l'état assassiné un citoyen américain. Yo reproché d'est-ce que l'état assassiné un citoyen américain. Ça c'est une révélation qui fait tout le monde a opiné est-ce que Jovenel Moïse c'est un citoyen américain. Plusieurs réactions à l'innocence arrestation par la sauce. Jomarli Moïse, petite fille,
défunt Jovenel Moïse, il déclare, là comme ça, il a commencé à ranger ma lettre pour l'aller. Mais messieurs, dames, criminels, pas de balle chance ça. Mais bat chien, t'en mette. Ces déclarations, petite fille, jamais en lit. Moïse, et bon côté pas. Bon côté pas. Yon l'autre dignitaire, qui c'est Claude Joseph, qui lui-même, c'est ancien PM, ancien ministre Affaires étrangères, qui ça lui-même lui déclaré. Pour Claude Joseph, c'est un bon coup qui rivait. Et il t'a demandé à l'État haïtien pour dégager au coup mettre Jean-Jacques. Préparer document pour t'a voyer Palacios by Haïti pour venir dire qui ça le connaît de dossier assassinat défunt Jovenel Moïse. Mais yon chose que ancien PM Claude Joseph pas avancé, c'est que si Jovenel Moïse est citoyen américain, sous qui critère Haïti pral mandé extradition? Tout ça yo, c'est complication dans enquête pour moun rive konnen toute vérité sous la mort Jovenel Moïse. Mais ça qui est certain, Claude Joseph, pour ne pas dire Jovenel Moïse, dossier de la part était mouri, même là, il y a fait de décor. Mais il continue à faire actualité. L'autre point dans l'actualité, il y a une fièvre qui est coupée à Corona, déposée sous l'estomac haïtien. Li déjà sous l'estomac haïtien yo. Yo ta vle li pa rele variant Omicron. Mais gon ti nom ka paraît tête li la ki rele variant Fluona. Variant Fluona, c'est ti nom sa ka paraît pour ta vle la gèl sous fièvre suspect que haïtien yo a gagné jounen jodi a. Li manifeste comme ça, yon grippe, yon fièvre ki bo frisson, yon tous ak tête fait mal. Douleur nan mambou. C'est toute manifestation ça au li fait et ministère santé publique déjà mette le zougo analyse pour faire lumière jaillir sur est-ce que son corona ou bien son l'autre fièvre qui prend naissance dans le monde là c'est Haïti li ta prend fondation li. Mais ministère santé publique gen gros difficulté avec haïtien pour un mauvais comportement ou gen les corona te fait vini. Moun yo vin pa fin kwe nan rapport ministère santé publique. L'autre point d'actualité a gen conflit terrien. Conflit terrien nan Ankaye, yon commune qui fait partie département l'ouest pays d'Haïti, nan sorti nan Port-au-Prince. Conflit sa, ta la cause près de 3 moun porté disparu, 8 lot jwenn nan mort yo, yon dizaine lot blessé. Ça passait lundi 3 janvier 2022. C'est bilan conflit qui déclenché dans localité Font-Baptiste, qui sont 7e section communale commune Ankaye. Selon ancien candidat pour poste député Wilner René, victime yo prend balle et yo blessé à exam blanche. Conflit ça, c'est entre habitants nan Nicolas ak habitants Dimaran qui pétel. Conflit ça là depuis 20 ans. Ça veut dire c'est depuis 2001, moun sa bataille pour terre. Et commune Ankaye gen 140 000 habitants, gen seulement 40 policiers pour 140 000 habitants pour plusieurs sections communales. Est-ce que l'État gen capacité dans situation Haïti trouvé là, Algérie conflit terrien face à moun kap prend zam contre l'autre, il n'est que d'attendre. L'autre problème conflit, Axius Jean Samuel, c'est ex-président conseil administration, section communale Rivière Froide, la commune Kafo, ex-Kazek, qui lui-même blessé grave à Xam Blanche, dans la nuit lundi 3 janvier 2022. Et c'est un certain Mano qui t'a accusé
en réaction, population lui-même pas de printemps pour te lyncher. Yon nan moun yo te suspect qui te cause kaz éclaté, jwenn blessure sa yo. Kaz éclaté lui-même, est-ce que le te mêlé dans conflit a? Kaz éclaté c'est deux moun qui te pote plainte concernant Mano et l'el tal tande yo, bataille pété et comme ça kaz éclaté lui-même manqué fait voile pour pays sans chapeau. Yon information qui te gagne grand petit bonnet dans matin, lundi mardi 4 janvier 2021. Qui a fait état que l'hôpital général t'est attaqué par nèg civil armé exam côté yo t'ai prend téléphone valise laptop ak tout ça te joine sous passage ni nan malade médecin ensemble avec moun qui t'est vinn ak malade. Selon docteur Chessy Colimon Adrien, li wè cette information sa yo qui pa gen rien pour wè ak action sa que y a parlé a. Li pas konnen on bay konsa te fait et ni service sécurité li pa bal on information pareil mais toutefois li te reconnaît nan nuit 29 rive 30 décembre 2021 te gen on ti a gauchay entre moun ki devina malade avec accompagnement qui t'a parlé du avec on série de moun nan l'hôpital la personnel mais pas de question fouille moun te fouille moun nan dedans. C'est comme ça li porté démenti ak information ça. Nan inch route nationale numéro 3. Pour nan moment n'a parlé là, Mirbalè coupé avec inch. Li coupé avec inch par le fait que yon moun ki retrouvé le tout près pelig, li même bonne ça, li entre vidé sécoué. Et puisque moun nan ap danser, li menacé vidé passage route Mirbalè vers plateau central Inch li pas accessible tout monde qui rive dans Mirbalè yo coincé yo pa ka traverser Inch si s'arrête Jean Liéa traverser Inch là li capable fait seulement par zone Saint-Michel pour tomber la Tibonite prend voie nationale numéro 1 pour river l'autre bord ou du moins faire route par jardin pour sortir de Mirbalè pour aller tomber dans Inch ro plateau. Pour journée jodi a comment pas tout m'installer. Vers midi, Delma 47, carotou t'a brûlé, machine t'a cassé tête tourner, sans personne pas connait qui motivation. 3h15, en pile balle t'a tiré portail Léogane ak zone qui sous côté lio. Gen chauffeur qui prend balle ak passager dans traversé Matissan pour journée jodi mardi 4 janvier 2022. Lundi 3 janvier, route vers route 9 vers 8h15 te signalé bloqué à conteneur entre Carrefour Lanmo à Carrefour du Vivier qui s'acte à la base pas gain motivation vers 11h dans matin lundi qui te 3 janvier 2021 te gain tir signalé dans la boule 12 plusieurs centaines manifestants te foulé béton journée 4 janvier 2022 dans Saint-Laurent 8e section commune Pilate. Manif la te descend nan bouk la pou ndali nan commune nan pou mande justice pou Persiceron Kesnel bandi tal fè tentative assassinat sou li nan presbiteri Margo. Yo te rive blessé men pè a pat mouri grâce ak vigilance population an, jou ki te 26 pou al 27 décembre 2021. Manifestant longe dwèt sou Kazek Wilkinson ki yo kwè ke qui te gen connivence avec moun qui devine commettre action mais yo te gen tan maîtriser action ça qui la cause paya li pat rive joindre la molle tout ça n'a ba ou la yo c'est action nèg civil armé a commettre côté la police pour ko en mesure manyen ni yon ni l'autre sous dossier ça te rive gonaïve là gouvernement ak primati déjà mette la justice en branle. Kont si la, qui selon yo même te manke touye premier ministre la. Commissaire gouvernement Gonaïve la, bay plusieurs mandats qui lance pour joindre moun sa yo qui te manke pété fiel premier ministre la Katouche. Yo accusé monsieur de tentative d'assassinat, complot contre sûreté de l'État. Non qui plus fait écho, c'est Winter Etienne. Gen l'autre mandat qui lancé manoyo poko publié. Winter Etienne
Bon côté parle, li exige démission Ariel Henry avant l'école ouvri ak révocation yon commissaire nan Gonaïve. Sinon, li gen l'autre mouvement, li pral déclencher nan Ro Artibonite. Bureau des mines confirmé présence approvisionnement en pétrole dans bassin Rochelois ak l'île Lagonave. L'autre zone dans pays a tankou plateau central plein du gul de sac pour bureau des mines Haïti gen mine pétrole la donne. Ministère éducation nationale annoncé pour candidat bac permanent yo que année académique 2021-2022 a examen yo a déroulé entre 21 à 24 février 2022 et inscription candidat yo a déroulé sorti 4 rivé 21 janvier 2021. C'était point ça avec l'autre qui te fait essentiel actualité nous pour téléspectateurs HPM depuis Port-au-Prince, capitale Port-Saint-Principe, pays d'Haïti. Au revoir.